Mes chers amis, je me présente. Je m'appelle Stanislas Diouf. Je suis en classe de seconde, option scientifique. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter un grand succès africain, un roman exceptionnel, L'Aventure en Bible. L'Afrique n'a pas d'armes nucléaires à faire valoir. L'Afrique n'a pas d'industrie polémique ayant une croissance exponentielle à exhiber. Mais le vieux continent est détenteur d'une richesse culturelle qui constitue son plus grand trésor. Car on ne saurait parler de l'Afrique sans en énoncer les langues, les ethnies, les us et coutumes et surtout les livres écrits par les grands auteurs africains. Parmi ses grands succès, L'Aventure en Bible, un livre écrit par l'auteur sénégalais Cheikh Amadou Kane, qui relate la vie d'un Africain, Samba Diallo, qui très jeune, malgré l'opposition de certains membres de sa famille, est envoyé par son père chez un maître coranique très sévère afin qu'il y acquiert une connaissance accrue du Coran. Face à l'opposition de sa tante, la grande royale, Samba Diallo est contraint à abandonner l'école coranique pour rejoindre l'école française, l'école occidentale. Brillant élève et après de longues péripéties, Samba Diallo est invité en France afin qu'il y continue ses études. Mais cette rencontre brutale avec le monde occidental pousse Samba Diallo à se poser des questions sur le bien fondé de l'interpénétration des cultures et sur l'influence du travail sur la religion. Face à la demande de son père, Samba Diallo rentre au Bercail. Qu'est-ce qui attend Samba Diallo à ce retour? Est-il toujours le même homme? À quelle réflexion nous pousse ce livre? Ces questions, telle une épée de Damoclès, plane sur le lecteur et l'entraîne d'une manière significative dans la culture et dans la mentalité africaine au temps colonial. Et à travers un itinéraire spirituel, l'entraîne dans un monde philosophique. Et au-delà de cette perception, pose un problème qui est toujours d'actualité, l'angoisse d'être noir, l'angoisse d'être homme. Mes chers amis, nous sommes dans un monde de nécessité, car avoir un logement stable est devenu une nécessité. Avoir un boulot intéressant est devenu une nécessité. Mais lire ce livre pour mieux comprendre l'homme dans tous ses aspects, pour appréhender la vie d'une manière différente et surtout pour mieux connaître l'Afrique est une priorité. Donc, lisez-le.